Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence directement avec le trailer de Zenless Zone Zero qui a été publié hier suite à la Gamer Fast, si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Et le jeu je l'attends avec grande impatience. J'en avais déjà parlé sur Twitter il y a quelques mois cela, la première annonce avec le premier trailer. Et dites-vous qu'en l'espace d'une journée, ce trailer là à taper le 1 million de vues. C'est un truc de ouf. Le jeu est très attendu. Comme vous l'avez vu, c'est HoYoverse, enfin HoYoverse qui est derrière le développement de ce jeu. On va pas parler que de ça, bien sûr, pas que de ce jeu, mais on commence par celui-là. Du coup, avant toute chose les gars, les meufs également, je vous dis que je suis en live tous les jours sur Twitch. Je retryhard les lives sur Twitch. Le lien sera disponible dans la description. Venez me suivre, ça me fera énormément plaisir. Venez me soutenir. On va avoir une très belle aventure. Des projets vont se construire au fur et à mesure du temps. D'ici fin d'année prochaine, vous allez voir, il y aura pas mal de choses qui vont se mettre en place. Si tout marche pour moi, pour le mieux, il y aura pas mal de projets qui seront mis en place. On reprend la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu. On s'abonne à la chaîne et dites-moi en commentaire quel jeu vous attendez, quel jeu vous hype le plus. Comme ça on débat. N'oubliez pas que mon Twitter est également disponible. C'est là où je publie toutes les infos concernant les dernières nouveautés mobiles. PC également, de style animé, pourquoi pas de temps en temps des FPS. Voilà. Et du coup les amis, là on commence avec Zenless Zone Zero qui est un jeu très attendu dans le gacha game. Et c'est un jeu qui va retourner vraiment des têtes. Il va retourner des sales têtes. C'est incroyable. En termes de qualité, on n'est jamais déçu avec HoYoverse, milieu anciennement. Et réellement, ce jeu, je l'attends. En parlant de ce jeu, une bêta est prévue. Vous avez juste besoin de taper sur Twitter Zenless Zone Zero. Vous allez directement trouver leur page et leur site web. Vous allez pouvoir vous préinscrire pour le jeu et par la même occasion pour tester le jeu. On sera sélectionné vu que ça sera une bêta fermée. En deuxième lieu, on va parler de Honkai Star Rail qui est aussi un jeu qui a été annoncé il y a quelques mois de cela. Il y a eu également un trailer shoot, on va appeler ça. Et ils ont terminé avec les bêtas fermées. Le jeu il arrive très prochainement. Il a été annoncé. Récemment qu'il arrivait prochainement. Ils nous ont pas encore donné la date, mais bon, c'est relatif. Mais je pense, vu qu'il a été annoncé en fin d'année dernière, je pense qu'il pourrait arriver vraiment d'ici grand max 4 mois, 3 mois, 4 mois grand max. Et pour finir, on va parler de Tower of Fantasy, les amis. On va aussi parler de Black Clover mobile. Je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent. Tower of Fantasy, ils ont fait une bêta. Comme vous savez, c'est un jeu chinois qui est de base chinois. Ils ont fait une bêta il y a quelques semaines, il y a quelques jours. Et là, avec la Game Fast, je sais plus comment ça s'appelle exactement, la Game Fast, ils ont annoncé que le jeu sera lancé au 3e trimestre. On va bientôt être dans le troisième trimestre d'ici 15 jours. Et je pense, je suis pas le seul à le penser, mais d'ici juillet-août, le jeu sera disponible. Juillet-août, ouais, c'est fort probable. Et pour terminer, là vraiment pour terminer la vidéo, pour clôturer, on va parler de Black Clover Mobile. Une bêta fermée, enfin plutôt un focus groupe test, et a été annoncé. Et comment dire, c'est encore en Corée. Cette fois-ci, c'est pas avec un public ouvert, ça sera plutôt avec une académie qui s'appelle la Kungil Game Academy, qui est située en Corée du Sud. Et on verra ce que ça va donner. Déjà, par rapport aux avis concernant le premier focus group test, ils ont dit que les avis étaient généralement positifs, que globalement ils étaient positifs, et que la deuxième servait à améliorer le gameplay, le graphisme et le gameplay. Du coup, on va voir un peu ce que ça va donner. Je pense qu'on est proche de la sortie. Ils ont dit troisième trimestre, mais je pense que ça sera repoussé entre le fin du troisième trimestre et début du quatrième trimestre, d'ici début automne, on va dire, du coup. Et on verra ce que ça va donner pour ce jeu. Mais il aura énormément de concurrence, que ce soit Honkai Star Rail, Tower of Fantasy, Zenless Zone Zero. Réellement, on n'est pas prêt pour ce qu'ils vont nous donner pour cette fin d'année, les amis. Et ce n'est pas le seul jeu. Ce n'est pas le seul jeu. Il y a Honor of Kings World qui est un open world. Je sais pas si c'est un multijoueur ou quoi, mais il est très ressemblant. Il y a un mode coop. Ce jeu, j'en avais déjà parlé en début d'année. J'avais décidé, même j'en avais parlé septembre dernier, j'ai décidé de faire profil bas parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos. Ils avaient juste annoncé le jeu. Et comme vous savez, c'est Tencent qui s'en occupe. Vous avez entendu aux voix. Et réellement, ce jeu va donner des claques. Les Chinois, là, ils sont en train de développer leur studio, mais à un niveau... C'est même plus du triple A, c'est plus du Unreal Engine, là c'est incroyable. Les Japonais vont se faire manger, les Coréens et les Chinois, là ils sont en train de manger les Japonais en termes de gacha. Et d'ici 3 à 4 ans, ils vont manger les Japonais. Ça ne m'étonnerait même pas que l'industrie japonaise du manga cesse les publications, enfin les développements de jeux mobiles avec les Japonais pour travailler avec les Chinois et les Coréens. Ça ne m'étonnerait même pas. Enfin bref, c'était juste mon avis personnel, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis. Peace and love, prenez bien soin de vous. Ciao ciao tout le monde.